Racontez-moi plutôt votre bateau, là, qu'on y a eu tous. Il paraît que les... Alors, attendez, quand même, qu'on en parle. Il paraît que les réservations ont commencé. Que... Alors, il est prudent de louer, comme on dit. Ah oui. Hein. Ah bah oui. Mais attendez, on est en plein... Il est prudent de bouer. On est prêt pour finir. Mais on est en plein... On n'est pas vraiment déconfiné pour les bateaux, puisque c'est un bateau à 12 passagers et 6 membres d'équipage, et on a le droit de n'être que 10. Un peu distancié socialement. Enlève un membre. Mais enlève quelques membres. Ah, mais c'est pas vous qui pilotez le bateau, Christine? On t'en fout 6 membres. Attends, tu quoi comme bateau? Mais j'ai un capitaine. C'est un bateau de collection. Mais qu'est-ce qu'ils font, les 6 membres? Enfin, nous, on offre à nos auditeurs des bateaux qu'on peut piloter soi-même, le boat. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est des baignoires sur la scène. Oui, c'est ça. Pourquoi oui. vous offririez pas, tiens, à nos auditeurs? On va vous mettre en comment on dit d'ailleurs? Dans la valise RTL? Non, pas dans la valise. On ne rentrera jamais. On ne rentrait pas. On va vous mettre en contact avec Georges. Tout le monde connaît Georges ici, qui s'occupe de nos partenariats. Eh ben oui. Et ben voilà. Et j'offre une croisière historique avec un grand. Aujourd'hui, on va attendre. Mais expliquez-nous d'abord. D'abord, nous, on pensait que vous pilotiez vous-même. Non, oui. Je suis en train de passer mon permis fluvial. C'est les créneaux qui sont durs. C'est un permis de péniche. Faites passer à l'image le. La photo du bateau. Ah, il est très beau. Mieux. Moi, je l'ai vu, le bateau. Il est super beau. Beau. Alors, allez le voir. Le site internet, c'est sous les jupons de la Seine. Oui. Bon, froufrou, ça va arriver. Pour le moment, ce qui remonte sur Internet et Google, c'est sous les jupons de la Seine. Vous allez voir le bateau. Vous pouvez le privatiser. Vous pouvez faire une demande en mariage. Mais on va d'où à où? C'est ça que je veux savoir. On va de Paris à Paris. Ah oui. Bah, c'est bien. C'est sur place, quoi. Mais Christine, c'est où son port d'attache? Bois de Boulogne. Ah, je pars alors. Il est au port de l'Arsenal à la Bastille. Oui. Et on part de la Bastille, on prend l'écluse et on arrive sur la Seine. Et on a. L'écluse, c'est votre surnom, c'est. Elle laisse passer des péniches. Elle fait la vidange. Oh non, c'est. Et donc, vous pouvez. Tout de suite, on a envie. Oh, hein. Ça donne envie, hein, dis donc. Et vous pouvez vous inscrire à des croisières, vous pouvez aller sur le canal Saint-Martin, qui est quand même, ah oui. Ah, quand même. Magnifique. Ah oui. Ah bah, on va où on veut. Ah oui. Tant qu'il y a de l'eau, oui. Si tu veux. Avec moi, il y en a peu de l'eau. Mais donc, qui fait à manger? Non, on fait pas à manger. Ah bah alors, t'as dit qu'on peut se marier, alors... Ah bah oui, si tu te maries, on te mettra un chef à bord. Mais c'est un bateau vraiment de croisière, mais on peut aller à Giverny. Non mais c'est une bonne question, parce que tu dis qu'il y a 6 personnes qui sont là pour s'occuper des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils seront pas là en permanence, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais quoi, qu'est-ce qu'ils font? Sur le bateau, c'est 6 personnes. C'est pas des mariachis à tout hasard. Ah non, mais ça me rappelle un autre souvenir. Ah non, mais je peux le raconter. C'était, je sais pas quoi, c'est 40 ans peut-être. Oui, c'était mes 40 ans. Vos 40 ans sur un bateau de croisière. Décidément, elle aime ça, hein, parce que c'était déjà sur un bateau de croisière. Alors, vous savez, c'est les anniversaires qu'on organise soi-même, puis qu'on fait semblant que c'est une surprise pour soi. Ah oui. Ah la vache, ouais. D'accord. La tristesse. Okay. Vous voyez, donc on est là. Ah, il n'était pas là, votre mec. Encore, je vais lui raconter, il la connaît pas cette histoire. Stéphane, parce qu'on a plus personne dans le public, on a que le mec de Christine Bravo dans le public. Qui rit plus du tout parce qu'il en a marre. Il apprend trop de choses. Alors Stéphane, je t'explique. Un des mecs de Christine Bravo. Alors, on pourrait mettre tous les mecs de Christine Bravo, on aurait un public. Un des 6 marins. Le membre d'équipage. On va dire que c'est le membre qui agit le plus. Oui, c'est le membre principal. Alors c'était les 40 ans de Christine, alors il y avait du monde, tout Paris, pensez bien. Oh ouais. Bernard Montiel, enfin bon. Tout Paris, bref. Et à un moment donné, là, arrive sur un autre bateau. Vous n'étiez pas là, vous, Isabelle? Sur une barge. Non. Oh. Sur une barge. Pourquoi parler de vous tout de suite? Arrive sur une barge, au loin, voilà. 4 mariachi. Je ne sais pas, un chant mexicain, voilà, Pepito, bah oui. Les colasol. Il fait bien les 4 mariachi. Et là, plus ils approchent, les 4 mariachi. Alors d'abord, évidemment, Christine fait oh, des mariachi. Wow, quelle surprise. Oh, quelle surprise. C'est assez fréquent sur la scène. Et la barge approche, et là, elle fait j'avais dit 5 mariachi.
C'était déjà pipeau. Hein. Oh mon Dieu. Alors, il y aura aussi un orchestre sur votre bateau, comme sur le Titanic. Mais il y aura ce qu'on veut. Tu seras là, toi ? J'y serai si on me veut. Si on me veut pas, j'y serai pas. On peut clouer avec le bateau. Et on peut. Tina Kieffer peut louer le bateau. Mais elle peut. Et c'est pas exemple, encore très défini le concept, hein, j'ai l'impression. Enfin, il y a des croisières historiques avec un historien et des privatisations. Ça, ça me fait peur. On est vraiment obligé, l'historien, ou on peut s'en non, passer ? Non, pas du tout, on peut, ouais. Allez sur le site internet, vous verrez ce qu'on propose. Par exemple, on va proposer des demandes en mariage et on jettera des pétales de rose depuis tous les ponts de Paris, sur les mariés. Enfin, tu vois des choses. Faites les mariages. C'est qui chouille quand même. Hein. C'est bon, ça. S'il y a trop de vent, tu ne reçois pas un pétale. Tu fais tout peur comme ça. Non, mais surtout, il faut avoir un hors-bord parce qu'il y a beaucoup de temps entre deux ponts. La première, il y a une surprise. La deuxième, tu t'y attends un peu. Et après, ça va ras-le-bol. Vous faites les enterrements aussi, le jet des cendres. Ah, j'y avais pas pensé. Ah, le jet des cendres. Je rajoute le jet des cendres. Ah, non, c'est strictement interdit. Ah oui, mais ça, bon. C'est vrai. Ah oui, on le fait au black, Oui. Et les mariages gays pour Jean-Philippe, faites oui. Oui, on fait. Ah, et vous lancez quoi ? Eh ben, ce que tu. Des capotes. Il lance des capotes sous les ponts. Du gel. Et... du quoi ? Quelle horreur. Et pour Johan, est-ce que vous pouvez jeter des femmes simplement parce que... Je prends. Ah donc, c'est vraiment, on va dire, c'est modulable. Hein. Voilà, mais ça c'est un bateau à 12 passagers. Un bateau, 15 possibilités. Non, voilà. Et t'as pas qu'il quelqu'un pour te faire tes concepts, un truc, tu vois, je sais pas, paye. Non. Tu sais, des formules. Alors, c'est quoi le site internet ? Sous les jupons de l'histoire ? Non, sous les jupons de la Seine. Ah, de la Seine, pardon. Seine, S-E-I-N-E, évidemment. Hein. Oui. Sous les jupons de la Seine, point quoi ? Point.fr. Elle en est même pas sûre, dis donc. Ce que j'avais appris avec surprise sur la navigation à Paris, c'est que non, on a le droit de naviguer beaucoup, mais surtout, on doit naviguer. Et que toutes les péniches sont obligées d'être opérationnelles et doivent, je crois, une fois par mois. Faire un petit aller-retour pour que le port de Paris vérifie bien que... Ma péniche, à moi, je te parle pas de ma vedette de collection. Péniche, elle est démotorisée parce que je viens de faire un jardin flottant dessus et on peut pas naviguer avec des pots. Il y a trop d'informations en même temps. Non, mais par rapport à ce que dit François, ça veut dire que... Faudrait y consacrer 3 heures. On peut pas naviguer avec des pots. François, ça veut dire qu'on... on peut pas naviguer avec des pots de fleurs de 6 mètres. Non, mais est-ce qu'on peut te dénoncer alors pour dire que elle ne peut plus bouger ta péniche. Ça peut être mais non, puisque sur la Seine, il y a c'est pour des ça péniches. Que je l'ai fait revenir. Christine Bravo, c'est elle ma vedette de collection.